Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment comprimer une vidéo. Alors ce cours peut vous être utile, notamment lorsque vous avez fait un cours pour netprof.fr et que vous souhaitez nous le proposer via notre interface, à savoir la page « Proposer un cours » et que le temps effectivement est très long puisque le poids du fichier est très important. Alors, le temps est toujours long, hein, mais parfois, ça peut devenir prohibitif. Alors, une bonne solution, c'est de lancer cette procédure le soir, de ne pas oublier de désactiver la mise en veille de votre ordinateur et de le laisser travailler pendant toute la nuit. Maintenant, si même cette solution ne fonctionne pas, eh bien, vous pouvez recomprimer le cours avec la procédure que je vais vous montrer. Alors, il existe différents cas. Vous avez pu réaliser un cours avec une capture d'écran, notamment vous pouvez suivre le cours, réaliser un cours avec capture d'écran qui va vous aider pour faire ce type de cours. Et là, vous aurez un fichier qui sera en .wmv. Donc là, pas besoin de le recomprimer, vous ne gagnerez rien. Ou très peu, c'est pas intéressant. Vous pouvez également avoir fait votre cours avec un caméscope ou un appareil photo numérique. Alors attention, les appareils photo numériques, c'est uniquement les récents qui offrent une qualité correcte à partir du moment où vous les configurez en résolution minimum 640-480. Mais un caméscope, c'est quand même souvent bien meilleur. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément un caméscope à disposition, donc vous pouvez éventuellement utiliser un appareil photo numérique. Alors, pour ces caméscopes appareils photo numériques, vous avez différents cas. Les caméscopes à la norme DV, vous savez les petites bandes par exemple DV, eh bien vont vous générer un fichier sur votre PC qui va être le nom du fichier .avi. Et vous utiliserez donc à l'intérieur, ça sera un codec DV. Alors là, effectivement, vous utilisez la procédure que je vais vous montrer, c'est très utile. Également, pour un appareil photo numérique, il va vous générer un fichier qui va être en .avi, à l'intérieur, ça sera un codec MJPEG. Donc là aussi, faites la procédure, vous allez gagner beaucoup. Sur les caméscopes récents, les appareils photo numériques récents, il peut vous générer des fichiers qui sont du MPEG-2 ou du MPEG-4. Donc le MPEG-2, c'est du .mpeg ou .mpg. Pour le MPEG-4, c'est du .mp4. Alors, je vous parle d'extension. Maintenant, sous Windows Vista, par défaut, cette extension de fichier n'est pas visible. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez, voilà, celui-là, on va le supprimer. Vous voyez, moi, j'ai test.avi. Bon, donc c'est le .avi qui n'est pas visible. Si vous voulez que cette extension apparaisse, eh bien, vous allez dans panneau de configuration, vous allez dans options des dossiers, vous faites ouvrir. Là, affichage, et là vous avez par défaut cette case qui est cochée, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Donc vous la décochez, vous faites appliquer, et l'extension apparaîtra. Voilà. Bon. Alors, dernier cas effectivement que je n'ai pas mentionné, c'est effectivement si le format de fichier que vous obtenez et que vous voulez nous proposer n'est pas compatible avec le site, eh bien vous pouvez faire la procédure d'encodage pour nous fournir un fichier compatible avec nos procédures d'encodage derrière. Alors, bon, on a vu tous les cas, maintenant passons au vif du sujet, comment on fait cette compression? Alors, c'est très simple, vous allez sur Internet et sur Google, vous tapez Media Coder. M-E-D-I-A-C-O-D-E-R. Voilà.
Donc là, vous l'avez sur Clubic, mais vous l'avez également, voyez, MediaCoder SourceForge.net. SourceForge.net est une plateforme qui permet de télécharger beaucoup de logiciels, dont la plupart sont gratuits et des logiciels assez intéressants dans la majorité des cas. Donc, on va plutôt prendre ce lien, donc MediaCoder.SourceForge.net. On clique dessus, voyez, et comme c'est un produit gratuit, vous avez le donate ici, et on voit bien qu'on est sur sourceforge.net. Donc, pour télécharger, vous cliquez sur download. Voilà, là, il vous propose les différentes versions. Alors, nous sommes le dimanche 16 novembre 2008, et la dernière version actuelle est la 0.6.2. Donc, bien entendu, plus tard, il y en aura des nouvelles, mais au jour d'aujourd'hui, c'est la 0.6.2. Donc on clique là-dessus. Là, il nous propose la version 32 bits ou la version 64 bits. Cette machine sur laquelle je suis en train de travailler est un Vista 32 bits, donc je prends 32 bits. Dans l'immense majorité des cas, hein, c'est du 32 bits. Donc on clique sur ce lien-là, qui est l'installeur, Get Installer. Voilà. Là, il nous propose différents serveurs de téléchargement. Bon, le plus simple, c'est encore de le laisser choisir tout seul. Vous voyez, on prend le lien en haut. OK, et là, voilà, ça se lance. Alors, au cas où ça ne se lance pas, vous avez un petit lien ici qui permet de le lancer manuellement. OK, on va enregistrer le fichier. Alors, moi, je l'ai déjà, bien sûr. Et il nous le télécharge. Alors, c'est assez rapide, hein, puisque vous voyez, le programme ne fait que 18,6 mégas, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, donc là il l'a téléchargé. Bon, ça peut être un petit peu plus long, mais le fichier d'install n'étant pas très lourd, de toute façon ça ne prendra pas des heures. Ok, donc là on peut fermer tout ça, et là donc on clique dessus, c'est parti. Alors là, moi, il me dit, attention, vous avez déjà une version sur votre machine, donc il veut enlever la version précédente. Bon, vous théoriquement, vous n'aurez pas cette petite fenêtre. Donc moi, ok, je lance, je fais un install, voilà, vous arriverez donc vous directement ici. Donc vous faites next, vous êtes d'accord, ça c'est les conditions d'utilisation, ok. Là, vous laissez par défaut, c'est souvent en laissant par défaut que ça marche le mieux. Là aussi, pareil, vous laissez par défaut, vous pouvez juste enlever desktop shortcut, puisque moi je préfère ne rien avoir sur mon bureau, c'est plus propre. Enfin, vous pouvez le laisser si vous voulez. On fait install, et voilà. Donc vous voyez, l'installation est aussi assez rapide. Ok, et là, on y va. Et voilà. Alors là, vous voyez, il nous lance cette page qui est finalement une page de publicité, hein, pour nous inciter à faire un don. Parce que le logiciel étant gratuit, il faut bien qu'il vive de quelque chose. Hein. Bon, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus et cliquer sur Start MediaCoder. Et comme ça, au prochain lancement, vous n'aurez plus cette page. Voilà. Ok, donc on ferme Explorateur Internet et il s'est lancé. Alors, donc ça c'est pour le premier lancement. Hein. Si vous voulez le relancer ultérieurement, donc on va le fermer, cette fenêtre aussi on peut la supprimer. On va avoir le programme ici dans MediaCoder. Voilà, MediaCoder. Ok. Alors, parfois, il peut arriver qu'il ne se lance pas directement, mais vous avez le petit icône ici, vous double-cliquez dessus et hop, ça se lance. Vous voyez, c'est même un simple clic. Vous voyez, hop, hop, voilà. Alors, comment on va travailler maintenant avec MediaCoder? Vous faites Add File. On va aller chercher notre fichier, donc test.avi. OK. Et générique, là, donc ça c'est les fichiers là où vous voulez le mettre. Donc bon, par défaut, il va le remettre dans le même répertoire, pas fichier, excusez-moi, le même répertoire. Bon, après, si vous voulez le mettre ailleurs, vous pouvez en choisir ici. Après, on va prendre audio. Alors, audio, vous allez sélectionner FAAC.
qui est aujourd'hui la nouvelle référence des codecs, on va dire, audio, après le MP3. Le MP3 commence à être un petit peu ancien. Ok, tout ça là c'est bon. Pour le gain, si votre cours, le son est un petit peu faible, eh bien vous pouvez augmenter le gain un petit peu ici, 1, 3, maximum 6, hein, mais plutôt 1 ou 3. Attention, si vous avez besoin de faire plus que ça, c'est qu'à la prise de vue, le son n'est pas suffisant et il faut refaire votre cours avec un son plus fort, une meilleure prise de son. La prise de son, c'est très important. Vous avez l'éclairage et la prise de son, c'est deux choses très importantes. Ok, attention, si vous montez trop, vous allez saturer le son et le résultat sera inexploitable. Ok, donc ici, après, on va sélectionner Average Bitrate et on va mettre 192. D'accord. Et là, MP4, c'est bon. Low Complexity, c'est bon. Et Container, vous allez prendre point MP4. Voilà. Pour la vidéo. Alors, pour la vidéo, ici, vous allez sélectionner Two Pass. Two Pass, c'est là comme ça que vous aurez la meilleure qualité. Par contre, cette procédure peut parfois, avec certains fichiers, poser des problèmes. Donc, dans ce cas-là, vous revenez à Bitrate Base. D'accord? Ici, vous allez prendre 3000. Alors, 3000, c'est pour un fichier qui est en 720-576 ou résolution inférieure. Hein. Si bien sûr la résolution de votre fichier, donc de votre vidéo, est supérieure, il va falloir proportionnellement augmenter le débit. Alors, proportionnellement, ça veut dire quoi? Donc, on fait 720 par 576 et vous voyez, ça nous donne 414 720 points. Donc, si vous êtes en résolution supérieure, vous faites ce calcul et vous faites un petit ratio qui va vous permettre proportionnellement donc d'augmenter le débit. D'accord? Je vous dis, si vous êtes en résolution inférieure, vous gardez le 3000. Alors, également, si votre vidéo n'est pas de bonne qualité, vous pouvez monter à 4000 pour conserver le maximum de qualité. Le format, vous laissez H.264, container, bon, bien MP4, d'accord. Ici, tout ça, là, vous laissez par défaut, auto, 4, 3, 6, 1, très bien. Ok, ça c'est très bien. Et pour tout le reste, ici, vous allez laisser par défaut. Alors, ici, vous avez le resize qui va pouvoir vous être utile éventuellement si la résolution de votre vidéo que vous avez réalisée, donc votre cours, est très importante. Vous allez pouvoir effectivement réduire cette résolution. Donc, par exemple, avec les caméscope pardon HD, eh bien le mieux c'est encore de mettre 1024 par 576. Et donc dans ce cas-là, vous mettez un débit ici, voyez, vidéo de 4000. D'accord? Donc on revient là où on était. Voilà, donc si on resize, hein, puisque la HD c'est du 1920 par 1080. Donc, vous voyez, donc c'est énorme et ça vous demanderait de mettre un débit qui est énorme également. Le mieux, c'est encore effectivement de resizer. Mais enfin, à part dans ces cas-là, mieux vaut ne pas toucher. Crop, bon bah c'est quand vous voulez détourer votre vidéo. Bon, globalement, on s'en sert pas d'habitude. Là, c'est le nombre d'images par seconde. Le PAL, du moins en Europe, c'est du 25 images seconde. Alors sur les quand vous allez utiliser des appareils photo, parfois vous allez être en 30, mais le fichier là d'origine va être en 30. Vous voyez, là on l'a ici 25. Donc vous le laissez à 25. 25, c'est la norme. Ok, et pour tout le reste ici, vous laissez par défaut, vous n'y touchez pas. Donc on revient, vous voyez ce qu'on a modifié ici. Donc FAAC, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Average bitrate, 192, MP4, MP4, très bien. Vidéo 3000. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait de revenir. Moi, j'étais resté en bitrate base Z qui est
le format le plus compatible. Maintenant, pour niveau qualitatif, mieux vaut se mettre en two-pass. D'accord ? H.264, MP4, 3000, ok, ici auto, tout ça c'est bon. D'accord, donc, on est presque arrivé. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va cliquer sur Start. Et voilà, l'encodage se lance. Alors, vous voyez, moi c'est extrêmement rapide pour deux raisons. Un, le fichier que je suis en train d'encoder ne fait que 20 secondes. Et également, vous voyez, on est sur une machine relativement puissante puisque c'est un quad-core. Donc, avec des fichiers beaucoup plus longs, puisque le cours que vous allez proposer ne va pas faire bien 20 secondes, bien entendu. Un cours de 20 secondes n'a aucun intérêt. Eh bien, ça va être beaucoup plus long. Donc, laissez-le travailler, c'est normal. Les encodages vidéo, ça prend du temps, c'est parfaitement normal. Et donc, on va retourner là où on était tout à l'heure, on avait notre fichier, et on constate, vous voyez, hop, on y va, on constate qu'on a bien maintenant un fichier test.mp4. Alors là, vous voyez, j'ai un petit pylône, c'est parce que c'est VLC. Là, vous pouvez vous reporter au cours, effectivement, sur comment installer VLC Media Player pour pouvoir lire ces fichiers. D'accord ? Et on constate quoi? On constate que le fichier d'origine, qui est donc un fichier qui est du type de ce que l'on peut réaliser avec un caméscope DV, fait 69 MB pour 20 secondes. Vous voyez, donc c'est assez lourd. Le fichier qu'on a encodé, lui, fait 7,59. Donc on a comprimé quasiment par 9. Vous voyez, donc le gain est énorme. Ça veut dire que pour faire l'upload, eh bien, de votre cours, donc sur netprof.fr, vous allez avoir divisé par 9 le temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.